Ok, donc là le son est un peu trop fort parce que c'est le menu, comme d'hab. Salut Tutu. Une fois que j'aurai choisi le jeu, ça ira mieux. Salut Archibakura. Même si je vais à peine finir. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, je sais pas quand ça sera, hein, mais dans une heure et demie, je pense. Shipendel Rescue Rangers 2. Enfin, tout. Alors, je connais pas du tout. Hein. Non, on voit pas ma souris, donc c'est bon. Donc, il peut se jouer à deux, hein, comme d'hab. Alors, là, on a le choix entre Tic ou Tac. Je vais prendre Tac. Pourquoi pas? Pour changer. J'avais peut-être fait pareil sur le premier. Alors, normalement, on devrait bien voir le chat sur le rendu. Parce que j'ai foutu un fond et je l'ai décalé un peu pour pas que ça bouffe le HUD quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit? La police dit qu'il y a une bombe dans un resto. Et si on la désamorce pas à temps, ça explose, ok. À Tic et Tac, en fait, Tac il a un gros nez rouge. Voilà, c'est le seul truc que j'ai vu de différent. Il doit y avoir d'autres différences, peut-être au niveau attitude. Je connais pas bien. Mais physiquement, c'est ça, quoi. Voilà, il y a Gadget qui est arrivé. Après, je connais très mal hein, les Rangers du risque. C'est pas un truc que je regardais à l'époque. Mais je connais un peu les persos, quand même. Salut, Totor. Tac est alcoolique. Je sais pas. Peut-être pour ça qu'il a un pif rouge. Ah, puis il y a l'autre là, Jacques, qui est là aussi. Bon, bref, là on va aller donc essayer de désamorcer une bombe dans un resto. Essayer de trouver ça et puis. Puis voilà, sauver le resto. Salut Goéland Hargneux. Lui me demandait, ouais, il pouvait m'aider, quoi. C'est quoi ce truc? Les zippers. Alors lui, par contre, il dit rien. Il doit y être de la série, mais. Bon, il parle pas. Allez, pas de temps à perdre, là, on y va. Ah, ouais, c'est le tout début, là. La première mission, c'est de désamorcer une bombe dans un resto. J'accélère un peu les textes. Alors Fat Cat c'est le méchant lui normalement. Je crois que c'est le méchant de la série. Qui apparemment s'est échappé de prison alors. Voilà. On va le retrouver. Alors, normalement ça se passe bien. Marc, je suis en train. Je bouffe l'HUD en bas à droite. Ah putain, c'est parce que j'avais pris Dale et du coup le HUD était en bas à gauche. Je pensais que c'était réservé au deuxième joueur en bas à droite. Bon bah tant pis, écoutez, hein, c'est pas grave. On voit quand même les cœurs. Alors je sais pas si vous le connaissez celui-là, le deuxième. Moi non, hein, c'est pas du tout. Comme le premier quoi. Mais il doit être sympa aussi également, alors faire gaffe à des histoires de collision dans ce jeu je pense. Peut-être la même chose. Attends, si je fais bas et saut, ouais je peux descendre. Par contre je peux pas récupérer avec les caisses. Donc là on est dans un resto, là on voit avec les burgers, les tables. Par contre on est vraiment tout petit je trouve, hein, pour... dans le restaurant quoi. Mais censé être un écureuil quand même. C'est pas minuscule non plus quoi. Là on est dans les cuisines. Alors attention. D'accord, il y a des fausses caisses, va falloir que je fasse gaffe à ça là. Putain l'enfoiré. Je sais pas comment je vais reconnaître. Ah mais ça me sonne juste. Ça m'enlève pas de cœur. Ok. Ah, il y a une caisse bizarre là, à gauche. Ah voilà. Donc, d'accord, les caisses un peu jaunes. C'est des ennemis qui se planquent. Je vais avoir un peu de mal à lire le chat en même temps. Je sais pas trop comment les avoir. Il a streamé quand? Bah... Il y a 5-10 minutes là. Au moment où t'as reçu l'annonce. Putain merde. J'ai pas fait gaffe. Attends, je peux avoir par en dessous? Ouais. Tant pis, on se casse. Faut
je trouve des cœurs. Ah, mais j'ai regagné de la santé. Mais comment j'ai regagné de la santé, là? Qu'est-ce que j'ai chopé pour ça? Ça, ça me tue pas, mais c'est chiant. Attendez, je vais vous lire un... Putain, ça défile vite. New Zealand Story, un stream, ça aurait été bien cool. Ouais, je crois pas. C'est un peu chiant, quand même. C'est un peu long. Non, c'est mieux. Avec les coupures, tout ça, c'est quand même mieux, quoi. C'est vraiment pas évident de lire en même temps. Un jeunesse. Ouais, ouais, c'est un jeunesse, là. Bon, on reconnaît bien le style, quand même. En tout cas, ça se manie bien. Pas de soucis. Ok. Que ce... Ah d'accord. Je prends les dans une cuve là. Bon, il est rempli d'eau. Santé avec les noisettes dans les caisses. Ah bah j'ai pas dû les voir là. Ouais, faut dire je ramasse les caisses assez vite. Ah, je suis peut-être déjà un boss là. Je vais profiter pour lire le chat. Symbole R, peut-être que c'est des vies ça, non? Si t'en prends un 100. Aussi grosse que tac. Alors j'ai pas lu, mais ah bah il parle de Fat Cat. Je sais pas ce que c'est en français. Ils doivent pas l'appeler Gros Chat dans la série, mais bon. Il a prévu donc de voler l'urne du pharaon. Il l'a déjà probablement fait. Alors là, on lui demande où est la bombe. Bon, je me démerde. Sommeil. Ah merde, c'est un boss ça. Oula, attends. Putain, casse-toi. Ok, il y a des caisses. Oh! Ça l'a blessé, hein? Attends, il peut skiller tout seul, quoi. J'ai rien à faire, merde. Enfin, non, je vais quand même lui balancer. Je peux lancer en l'air, ouais, c'est cool ça. Putain, il est vif, hein. Ok. Alors, j'ai chopé 62 R. Il y a des méga R là en bas à droite. Je sais pas ce que c'est. J'ai 2 vies. Ah, bah j'ai gagné un... C'est peut-être un continu. Je sais pas. Merde. Oh merde, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah d'accord. J'ai tout raté. Les potes sont plus durs dans celui-là. Tout le monde sur la glace. Ah merde, y'a de la glace. Faites Garen sous ex. Skatox en français. D'accord. Moi j'aurais pas trouvé. Alors y'a la bombe là. Ok, donc y a un fil rouge, un fil bleu. Bon. On va voir ce qu'ils vont couper. Accélérer ça, ça fait quoi si on bah, si on se gourre, ça doit péter quoi. Voilà. On est foutu. Alors qu'est-ce lequel je devrais couper? Le rouge ou bleu? Ah mais j'en sais rien quoi. Attends. Merde. Attends, comment on fait? Bah. J'ai fait start. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais rembobiner là. J'ai sauté quoi, carrément une séquence là. Non, moi ce que je voulais faire avant... C'est pas ça putain, je... Voilà, merci. Je voulais sauvegarder et essayer l'un des deux fils. Voyons. Si je prends le rouge. Mais c'est bizarre, j'ai carrément sauté une séquence quoi. Moi je veux voir ce qui se passe là quand même. Non, ça a l'air bon. On a coupé le bon.
D'accord, alors imaginons, je rembobine si j'avais choisi le bleu. Est-ce que c'est game over? Je suis curieux. Voilà, je coupe le bleu. Hein. De toute façon, il n'y avait aucun indice hein, pour dire le quelle couleur c'était. Ah bah d'accord, en fait c'est la même chose. C'est juste que ça n'a pas pété. Ou alors c'était une fausse bombe. Ouais ok, c'est peut-être plutôt ça. Ouais c'est bizarre. Moustache, t'as qu'une boule à lancer. Ouais bah là, ouais, j'ai bien vu. Il doit falloir un nombre de symboles. Ah oui, tu parles pour le bonus stage. Ok. Ouais, finalement, c'était bizarre. Par contre, je sais pas pourquoi on se retrouve dans les égouts. Je veux dire, on a désamorcé la bombe et après on se retrouve dans les égouts, quoi. Comme si j'avais raté un morceau de l'histoire, là. Ah bon. Bref, continuons. Oh putain. C'est bon. En tout cas, je vais essayer de choper le max de R. Je sais qu'il y en a là sous les caisses aussi. Je passe pas là ? Merde. Ce qu'elle est vachement vif hein, comme jeu. Enfin, ça bouge bien quoi. J'aime bien. Ah merde! Oh putain, merde, il est pas mort. Alors, il y a peut-être des malus aussi dans les caisses, hein. Faut que je fasse gaffe. Putain, ça a pris. Merde, j'ai plus qu'un cœur. J'ai chopé un gland. Hein. Effectivement. Dans les caisses que je me ressource. J'ai chopé je sais pas quoi, ça devait être un R. C'était des fleurs dans le premier, si je me rappelle bien. Encore un autre gland, donc c'est bon. Putain, j'ai pas vu encore. Wow. Putain, il me fait peur, lui. Ah, boss. Sorte de trèfle. Peut-être ça... Ah, je suis repoussé. Oula. Ok. Putain, le slide. Ça, faut que j'arrive à le faire apparaître, à faire tomber les blocs juste là, voilà. Putain, c'était limite. Merde. Il m'a fait peur. Putain, c'est chiant à anticiper là. Ok. Merde. J'ai pas pensé au deuxième rocher. Faut que je fasse gaffe. Putain, mais. Encore une fois, j'ai pas regardé le deuxième rocher, quoi. C'est bon. Alors. Un peu dur. Firebrand avec un skin différent. C'est vrai, ça faisait un peu ça. Tetomu. Ouais, bah ouais, la mort. D'ailleurs, salut à toi. Mais bon, ça va. Salut Masamune. Putain, il y en a qui sont arrivés encore. Ah ouais, mais ça défile, hein. Alors attention. Bon, one up, c'est bien.
Je visais l'étoile d'or, mais tant pis. Merci. On peut pas revenir en arrière, dommage. Alors attends. Il y a ça, hop. Je sens que c'est fourbe, ça. Putain, mais ils sont bien positionnés, ces cons, hein. Attends, mais comment je peux faire un grand saut? Je peux aller dessus, là? Ah, ok. Putain, mais ils me font chier, là. Ah, d'accord. Je peux tirer? Non. Comment je passe, là? Quoi? C'est quoi ce lancer de merde? Oh putain, d'accord. D'accord. Ah, c'était du vide, là? Ok. Celui au nez rouge, c'est lequel? C'est Tac. Ou Dale, si tu préfères en anglais. Ah, mais c'est la somme. D'accord, rien de grave. Par contre, faut que je fasse gaffe, hein, parce que c'est vrai que les vies, ça défile, hein. Attends, si je fais select... Ok, il me reste une vie ou c'est ma dernière? On sait jamais, ça. Ah oui, il faut pas retomber. Putain, mais c'est chiant, ces trucs, là. De merde. Par en dessous. Ah voilà, faut les avoir par en dessous. Il y a encore un truc là. Oula. Oh putain, c'est de la... Je me suis bien fait avoir là. Attends, je sais pas ce qu'il y avait en bas à droite là. Quoi? Ah non, d'accord, faut aller à gauche. C'est quoi cette balle? Merde. Putain, ça dégage bien. Je lis un peu, mon préféré, l'autre c'est Indiana Jones. Ouais, là c'est plus Magnum. TB pour ça. Quel Angelo. Bien visé. Maintenant, plus qu'à espérer... de la santé là. Merde. C'est bon. J'y tiens cette balle, je sais pas à quoi ça va me servir. Ouais, c'est un peu... ouais, c'est ça, Grom, c'est... Ah, mais je l'ai plus! Ah, merde! C'est un peu comme l'aubergine, quoi. Attends, par contre, c'est quoi ce truc de fou, là? C'est quoi ce boss? Oh, putain, je suis pas monté dessus! Ça monte à l'infini, j'espère. Attends. Je sais pas si c'est la bonne technique, hein, mais... Il me fait peur, là. Ok. Oh. J'ai le truc dessus, peut-être. Ah ouais, mais là, j'ai un genre retard sur le chat. Donc, Tic, c'est un peu le Leonardo et Gadget de Donatello.
On a dit qu'il fallait mettre la balle, c'est un truc. Ouais, c'était peut-être ça, le truc tout en bas à droite, là, l'espèce de levier là. Mais la balle, elle rebondissait pas jusque-là. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être mal lancé. Je devrais le level. Quoi, il y a un secret level? Je vais la voir là. Non, attends. Oh non, putain. Vachement trop tard. Ah, là, ça y est. Il y a histoire qui reprend. Là, on cherche l'urne qui a été donc apparemment pris. Et on a aucun indice. C'est pas Spelunky. Bref, on est sur les quais là. Attends, je vais avancer un peu. Ils sont allés donc de Raydock. On est en train de suivre la trace de Katox. Ah non, je fais pas un niveau dans le noir complet, hein. Pas possible. C'est déjà mieux. Ah bah leve-la là, Katox. On souhaite la bienvenue. Vous attendez. C'est un guet-apens. Donc il a bien volé l'urne. Et c'est rempli d'esprits maléfiques, apparemment. Enfin d'anciens esprits. Il pense dominer le monde avec ça. Bon bref, hein, je vous le traduis très rapidement. On va tout faire pour l'arrêter, quoi. Ah bon, on est dans une chambre froide, là? Merde, c'est la glace? Ok, donc il a vu une ouverture. Ils vont s'échapper par là, bon. Ça marche. J'ai 3 minutes alors pour finir le stage. Ah oui, y a un timer. Putain, merde. Super. Bonnes ambiances. Hey, j'ai 4 coeurs maintenant. Là, c'était quoi ça? J'ai balancé un espèce de caisse bizarre. Merde. Ouais, ça glisse. Ouais, c'est bien ça. Je peux pas tirer vers le bas. Merde. Oh putain. Oh bah voilà, j'ai commencé. Oh putain. Oh putain. Ils ont été sympas, normalement je suis mort là. Tendu le saut là. Non, ça passe. Bon, ça me fait chier, je suis à 2 coeurs. Ah non. Je sais pas, il y a des petits pics qui montent aussi. On peut pas jouer là sur le. Non. Je sais pas si c'est des pics ça. Dégage toi. Je vais pas crever là. Ok. J'ai toujours pas récupéré de santé là. Ça glisse bien, hein, putain. Alors là, les musiques, je pourrais pas te dire. Hein. Déjà, je me rappelle plus du tout hein, les musiques du premier. Là, c'est plus de. C'est plus de la nostalgie qui parle, quoi, du coup. C'est vrai que j'ai même pas du tout de souvenir. Je pourrais pas. Oula, merde. Ah, si, là. Mais bon, tu dois avoir raison. Je pense que tu connais bien. Bah, elles m'ont l'air sympa quand même. Putain, j'ai eu peur. Ah bah voilà. Salut Shazam. Cette hantise de la glace, bah ouais. Ça, les guêpes, les araignées. Ouais. J'ai plein de hantises. Hein. On est déjà la musique du menu est géniale. Bah, faudra que je réécoute, hein, je me rappelle pas. Merde, putain. Merde. Ah. Fais chier. Entre les deux en plus. Ah merde, c'est les esprits. Ouais, c'est les fantômes. Putain, ça y est, c'est Ghostbusters. Faut vraiment le choix des couleurs
Pas super, et pas super. Oh, moi je trouve c'est correct, non? Oh non, je trouve graphiquement c'est pas mal. Après bon, c'est pareil, hein, je me rappelle plus trop du premier non plus, quoi. Mais je trouve pas ça dégueulasse non plus. Ok, bon, il y a des fantômes. Qu'est-ce que c'est, les fantômes de l'urne, sans doute? Ça vient foutre la merde, donc, dans notre ville. Putain, excellente la bougie. Ah, on peut monter dessus. Ouais. Putain, des chiens. Ouais. Putain, ils sont énormes, les chiens, quand même. Hein. Ça prend quasiment le quart de l'écran, quoi. Merde. Ah ok, ouais. Mais ça y était pas là aussi? C'était pas la musique du dessin animé là, le... Ouais, mais Marc, ouais, t'es arrivé après là. Qu'est-ce que c'est que ce truc en bas? J'aimerais bien descendre, mais j'ai peur que ce soit le vide. Putain, fout le camp. Putain, attends. Ok, je passe. C'est Geek Gamer Guy qui nous chante. Oula merde. Le générique. Attends. Je sens que je vais pas trop aimer là ce. Ça va être chercheuse ça. C'est timé hein, je pense là. La lumière. Putain, merde, je pensais pas qu'il allait au bout. Oh merde. Ah super, j'ai trouvé un gland. Allez, casse-toi. Je sais pas si je peux le shooter, le fantôme. Ouais. Je l'ai dépopé apparemment. Ok, j'ai la vie à fond. Petite cutscene, donc j'en profite. Ah bah d'accord, ça va être le boss. Ah non. Non, c'est juste... d'accord, c'est un peu comme Mamie Baba, quoi, qui t'offrait des gâteaux de temps en temps, comme ça. Quoique. Ça se prend, ça? Non? Bon, bah je vais monter, alors. Putain, bizarre, il y avait un trou, hein. Là aussi. Non, c'est pas clair. Ok, bon, boss. D'accord. Merde. Putain, il a disparu au moment où j'ai lancé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, foiré. J'ai shooté sa main. Il a pas aimé. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? C'est flippant quand même. Ah mais balance des projectiles là, je peux rien faire. Putain mais c'est quoi ce truc? Ça te l'envoie sur la gueule direct? Oh bah super. T'en vas pas aller. On va pas aller bien loin. Salut petite pelle! Comment on va? Début de l'audiobook. J'essaie de lire en même temps, hein, mais c'est pas évident. Ah ouais, ça narrait les épisodes. C'était marrant ça, j'avais ça je crois, également. Pour, je crois que la cassette c'est les Aristochats. Ah, ça y est, pleine gueule. Quel con. Putain, mais il a. Il a différents patterns ce con. Fais gaffe parce qu'il envoie un deuxième boulet aussi, quelquefois. Ok, bon, ça c'est de la merde.
Putain, la musique... Non, ça, je crois que c'est une petite boucle de 5 secondes. Ok. Ce serait bien qu'il lâche les deux. Peut-être qu'il lâche les deux quand... Quand on est à deux joueurs. Merde. Je conserve, je préfère assurer le coup. Ok. Ah. Limite agaçante en fait. La musique, ouais. La musique du boss, c'était moyen, ouais, j'avoue. RR5. J'espère que c'est des continus. Hein. Faudrait que je fasse une petite save state, hein, peut-être. Bon, je vais l'avoir, ce truc là. Ah, fais chier, tain, je le rate. Dirait patibulaire version Claude Fantôme. Un peu quoi. Ah, le fantôme devrait disparaître. Attends, mais ça y est, c'est l'urne là, ça y est? On l'a retrouvé? Non, Fat Cat, non, je vais pas m'affronter contre lui encore. Je sais pas, peut-être le jeu est court. Hein. Ah, on doit aller dans un parc d'attractions apparemment. Ouais, évidemment que c'est un piège. Clodo Vigile. Alors vous êtes foutus les rangers du risque. Contrôle totalement donc le... Il y a Big Ben au fond là. On doit choper trois clés pour entrer dans sa salle de contrôle. Elles sont toutes cachées dans différents endroits du parc. Où est-ce qu'on devrait aller? Ah d'accord, on choisit trois... Ok, c'est un gros parc d'attractions et on va faire trois endroits. Donc il y a le Clock Tower, allez. Castlevania. C'est plus long que le premier je pense, mais pas hyper long non plus. Moi ouais, j'espère. Les Américains ont une petite queue. Chez nous ils ont une grosse souffle, ça je sais pas. Ok, alors attends. Hop. Ça mange pas de pain de faire ça un peu. En cas où hein. S'il n'y a pas de continu, si je perds toutes mes vies. Voilà. Peut-être qu'il y a la mort à la fin. Ah, du Clock Tower. En tout cas, c'est pas la même ambiance, hein, vu la musique. Je me vois pas affronter la mort avec une musique comme ça, au fond. Ah les engrenages, mais ça fait vraiment penser à Castlevania du coup là. Merde, saloperie. Ah mais attends, j'ai 5 cœurs. Dégage-toi. Ah, d'accord. Donc on peut pas aller sur les tapis roulants, faut attendre forcément la plateforme. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu meurs, y a pas de musique de mort, quoi que ce soit, c'est direct, allez, on va tenter ta chance quoi. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, je vais attendre qu'il se calme. Merde, non, je vais attendre un peu. Je sais pas si je l'ai touché. Non. La version rat. Contre mieux et mieux que le premier. C'est pas toujours le cas non plus. Ah, vous parlez des différents jeux. En général, second opus est meilleur ou quelque chose comme ça. Ah, DuckTales The était pas mal. Hein. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Peut-être pas dû enlever. Non, ça va, j'ai assez de hauteur. Ouais, tant pis. Je fasse gaffe quand il s'emballe parce que, putain, si je sors de l'écran et que je tombe,
Dégage. Oh, putain, comme là, là. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe, mais les 5 cœurs... En fait, c'est un gros cœur que j'ai en bas. J'avais pas fait gaffe à ça. Hop. Ah, putain, j'ai raté le bouton de saut. Ah bah, game over. Alors voyons comment ça se passe. Est-ce que j'ai des continus? 3 crédits. Est-ce que ça correspond au RR? J'en avais 5, non? Enfin, les gros RR, là. Oh, je sais pas. Je suis sûr que ça va être un décompte à la fin. Bon, c'est pas grave. Hein. Putain, bon, merde, fait chier. Sur le jeu, du coup, je lis pas, quoi. C'est chiant. Mazou qui kiffe s'électrocuter. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier comme ennemi. Hein. Il se sacrifie, quoi, pour Katox. C'est là que j'étais mort, non? On va sur le coup, comme ça. Attends, putain. Ah, mais je glisse pas, d'accord. Le boss. Une autruche, ok, pourquoi pas. Putain, qu'est-ce qu'elle me fait? Merde! Ah, saloperie! Attends, on dirait le rat dans DuckTales. Vu la disposition du niveau. Ah oh, oui, je peux tirer en l'air. Oh merde, attends, je la rate! Ça va, si elle fait tout le temps ça. Bon, bah c'est encore mieux si elle fait ça. Ouais, elle a rien laissé là. Putain, ça se passe bien. Bien, pas là. Ok, c'est bon. Ah non, RR, c'est pas... Allez, continue alors. Bon, c'est pas grave. J'ai un attaque avec des caisses. Boost Brothers. Ah ouais, ça lui quelque chose, ce jeu, ouais. Je connais un jeu, il est beau. J'essaie de le rattraper, hein. Smania 2 a réussi. Ah oui, merde. Yes! Deux vies. Ça y est, je l'ai enfin eu. Je déboste une autruche dans une tour qui se déplace sur un engrenage. Ah non, mais c'est recherché. C'est le principal, mon préféré étant fusion et le super. Ah oui, tu parles des Metroid là. Pour la mort, c'est raté. Ah oui, bah oui, y a pas eu de mort. Alors là, je choisis. On va faire dans l'ordre. Hein. On va faire Westworld. Salut Anton Mapton. Ah putain, la musique bien cowboy. Alors attends, avant ça. Vu que, quand même, hein, j'ai pas des continus infinis, même si j'espère finir le jeu sans avoir utilisé tous les continus, toutes les vies, quoi. Bon, déjà, ça se passe quand même mieux que le premier. Hein. Enfin, je dis ça pour l'instant. La musique est sympa, je trouve.
Oula. Oh non. Oh non, pas de niveau de chariot. Non. Oh putain. Oh non. Ah, oh, ça sent l'enfer, ça. Alors, si je fonce, ça passe. On va ralentir. Oh putain, je vais pas aimer. Je vais pas aimer ça. J'espère que c'est pas long. Oh, tant pis pour les R là. C'est bon. Oh merde. C'est une autre hantise aussi, hein, le... les chariots. Ça, ça rappelle un peu trop Donkey Kong, quoi. Quoi? Pourquoi il est parti à gauche, ce con? Parce que là, il s'accroche au levier. Et quand il est descendu, non. C'est ça? Ah oui, lâche, d'accord. Vert droit, t'es là. Vraiment, tu me fais râler sur les couleurs. Ah, t'aimes vraiment pas les couleurs, on dirait. Ah, fais chier, putain. J'espère que tout le niveau est pas comme ça, quoi. Alors, attention, hop. Putain, faut s'avancer vite. Putain. Récupère ça. Petit gland, là. Parce que je... Oui. Ok, la chaîne me fait pas mal. Pourquoi la caisse clignote? Vous voyez, quand je marche, ça clignote. Je sais pas, je cherche un coup, quoi. C'est bizarre. Ah bah, le boss. Ah, un chat. Ah bah, super. D'accord, c'est carte à jouer avec lui. Putain, mais calme-toi. Sale bête. Merde, il fallait qu'il saute. Ah, super, bien joué le saut. Bon, finalement, c'était court, hein, les chariots. Tant mieux. Ça aurait pu très mal se passer, quoi. Oh, l'enfoiré. Ok. Ego check, chariot check. Prochaine étape, chariot sur glace, oui. Bien sûr. Ça change de Shadow of the Colossus, soit tu m'étonnes. Ça, graphiquement, c'est autre chose. C'est vrai, on s'amuse là-bas. C'était bien Shadow, arrête. Dice King. Ah oui, c'est vrai. Avec les cartes à jouer. Ah merde. Juste à côté. Boycott, on défonce tous les animaux. Ouais, c'est un peu ça. Ça, je sais pas, Shiro. Je sais pas si c'était plein pour ça. Ce serait un peu n'importe quoi, d'ailleurs. Alors là, on est dernier. C'était, j'ai pas lu, mais je crois que c'est le futur. Hein. Truc futur. Bon, bref, je sais pas. Le thème du futur. J'ai oublié de faire un truc avant. Ah, désolé, c'est vrai que ça casse tout, mais la sécurité avant tout. Hein. C'est le pire truc de la terre, on attrape des trucs, pour les en faire une vraie boule. Ouais, mais c'est pas des vrais animaux, enfin. Faut rater les conneries, je pense pas que ça soit que la SPA ait fait quelque chose là-dessus, quoi. Oh, merde. Ah, là, le taré. Alors attends, ça one shot ça? Ça sert à quelque chose vraiment de faire ça? Les ennemis passent à travers toi quand tu te mets comme ça ou c'est juste le délire? Ah, je pense que je peux monter dessus. Hein. Ouais. Dans le futur, les caisses seront toujours là. C'est rassurant.
c'est du Megaman ça, non? Non, ça s'ouvre pas? Ah, tant pis. Rush. Oula. J'ai même pas vu que c'était une sortie, ça. Par M, se battre, se faire capturer. Ah, d'accord. Si l'ennemi me touche, je perds. Ah, il meurt quand même! Il se bouffe la caisse, mais. Il meurt, d'accord. Ah putain, j'avais vu un truc métallique à gauche. J'aurais pu avoir cette étoile. Ah, super. Ah, mais ça les tue, d'accord. J'ai quoi, j'ai deux cœurs? Ok. Ça va vite les niveaux quand même. Oh putain. Hein? Oh! Putain, j'aime pas comme. Alors attends, passer en dessous de lui. Ok. Quoi, mais je passe pas la chaîne, sérieux? Lâche-le. Ah putain. C'est un peu random là ces mouvements. Mais bon, il va se faire là. Avec toute ma vie, je devrais plus avoir de problème. Putain. C'est miraculeux que je me sois pas fait écraser quoi. J'aime bien ce petit coup de boost quand même, n'importe quoi ce boss. On aura quand même des bulldogs à roulette. Là ça ressemblait un peu au bulldog du premier quoi. Oh putain merde. Quand on tire un truc, on peut pas aller vers la gauche. Après avoir lancé l'objet quoi. Là j'étais un peu coincé. Faut que je fasse gaffe là. Il est solide ce con hein. Ouais. J'arrête mes conneries. Ok c'est bon. Le genre de jeu où tu brises une amitié. Ah ouais bah si tu... Tu casses les couilles à assommer l'autre, ouais, tu m'étonnes. Ah! Je l'ai touché! Putain, je l'ai touché, quoi! Oh, c'est arnaque! Ah, oh, je me suis fait arnaquer de vie, quoi. Merci. Far Cry 5, j'ai enfin mon spa 12. Ah, moi je suis à la fin de Far Cry là. J'ai fait les 3 là, il me reste le centre. Je pense que je finirai demain. Merde, j'ai pas trop lu là. Qui c'est qui est parti? D'accord, un passage secret. On a trouvé un passage secret, alors ça doit être là. On a les clés donc, et normalement on va aller dans le laboratoire caché. Ou je sais pas, salle de contrôle, je sais plus. De l'autre fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est du décor. Ok. Bah, c'est diversifié, oui et non. Disons que le premier en bas à gauche, c'est vraiment la campagne. Et les deux autres, c'est plus... fait plus vallée, quoi. T'attends pas à... Tout d'un coup, tu te retrouves dans le désert, ensuite en Antarctique. T'attends pas du tout à ça dans ce Far Cry. Ça aura aucun sens, d'ailleurs. Mais... Je peux pas changer le sens, là, de ce truc?
Ouais, beaucoup de montagnes, beaucoup de forêts. Enfin, moi, je trouve ça cool, hein. Après, si tu veux vraiment des endroits hyper variés, ça serait bizarre, quoi. C'est quand même un jeu qui veut rester un peu cohérent, quoi, au niveau des décors, quoi. Ok, super. Oh putain, enchaînement. Putain, mais ça vient à l'infini, là. Ah merde. Ça, c'est quoi, ça? C'est une... Ah bah, d'accord. Salut Saria. Pas vraiment des villages ou autres. Sont nombreuses ou pas? Il va y avoir énormément de gunfight. Bah y'a beaucoup, ouais, c'est... Enfin tu t'emmerdes pas, hein. Perso tu t'emmerdes pas, hein. Tu te fais tout le temps agresser. Bon maintenant... Merde, attends, c'est quoi ça? Maintenant que j'ai les armes que je voulais... Les gunfights, ça va très vite. Hein. Là, je rase... Enfin... La carte du Nord, justement, je l'ai vraiment rasée beaucoup plus rapidement que les deux autres. Là, je suis overboosté, quoi, donc... Mais sinon, c'est... En fait, ce qui est excellent dans le jeu, c'est vraiment... Bon, les activités, tout ça, c'est bien au début, mais c'est vrai que ça se répète, évidemment. Mais les boss sont vraiment intéressants. Moi j'aime beaucoup, hein. Quand on a affaire aux boss. Je trouve ça bien foutu, quoi. Putain, merde. Putain, mais c'est quoi cet enfer là? En plus j'ai oublié de sauvegarder. Bon, c'est pas grave. Voilà, normal. Putain, alors attends, il va falloir que je me concentre, tant pis, je vous lirai après. Parce que là, je sens que ça va être bien chiant, là, tous ces... Putain, voilà, évidemment. Putain, c'est quoi ce passage de fou, là? Ouais, sors-moi de là. Moi qui joue en furtif, pas trop de gunfight. Ah non, moi je joue plus, c'est fini le furtif, moi, dans ce jeu. Quoi, c'était un dé, hein. Danger. Bon, j'ai retrouvé mes cœurs. Non, je fais au mieux pour essayer de vous lire, mais c'est pas évident parfois. C'est peut-être la fin, là. Bienvenue, les rangers du risque. Ça faisait longtemps que je vous attendais. Enfin, je vous attendais, tout simplement. Allez. Rends-toi. Oui. Je pourrais jamais le battre. Et il va donc employer le Fat Cat Robot. What the fuck? Battre contre un chat... Robotnik, là, un peu. Ah, je peux pas bouger. Oula. Putain, il est énorme. Alors, j'ai fait une petite sauvegarde là. En cas où. Ok. Putain, je sens qu'il va être chiant. Il est beau en tout cas. Mais... Une espèce de compteur, putain. Alors attends, faut peut-être lui faire péter à la gueule quand ça va être zéro. Putain, merde. J'ai pas vu de dégâts.
Ah si, là. Putain, mais je suis tellement concentré. Ouais, ok. Bon, je crois que je vais crever. Tellement concentré à savoir quand lancer. La Pokéball. Putain, ça va être long. Quel con. C'est que ça? Ah oui. Ah putain, merde, j'ai pas lu. Casse-toi. Je suis mort. Hein. Oh putain, cette chance. Faut que je regarde le danger. D'accord, il va pas arrêter à droite là. Putain, c'est quoi ça? Nouveau pattern. Là, il va paraître à gauche, ok. Putain, mais il bug là. En tout cas, je vois que ça parle de Far Cry 5. J'essaierai d'en parler un peu après, pendant la pause, on verra. Là, là je galère là. Ok, touché. En fait c'est bien quand il va à gauche comme ça. Ah, j'en ai fait un peu de mode arcade hier, de Far Cry 5. Bah c'est du bête bourrinage hein. Oh merde, comment je vais faire là? Je vais péter un truc. Ça y est. Ok, je vais péter le bras. Mais je trouvais ça rigolo, mais voilà, je vais y jouer peut-être une ou deux fois. Et je vais m'arrêter là, quoi. Comme tout jeu à multi. Oh, putain. Un bruit bizarre dehors. Oh putain, mais sa main, c'est chaud, hein. Et ouais, je te voyais venir, là. C'est long. Attention, on va atterrir au milieu. Merde, j'ai raté. Franchement, s'il fait sa main, là, je suis dégoûté. Non, c'est bon. Oh, putain, non, c'est bon. Bon, il lui faut combien de coups là? C'est pas que c'est long, mais légèrement quoi. Ah. C'est fini. Oh putain, il y a tous les succès qui sont tombés là. Très bien. Je pense que j'ai eu le succès également, que j'ai fini la compile. Ça c'est cool. Ouh, putain. Quoi? Bah, what the fuck? Pourquoi j'ai encore ça? Allez, on finit en beauté. Hein. Non mais attends, ça continue là? Pourquoi j'ai eu le succès de fin alors? Merci. Ok, on pourchasse encore. Bah, ah bah oui. C'est vrai que c'était que son robot là. Enfermé dedans. Merde, j'ai plus le temps de lire. Ah oui, non, c'est bon. Donc on est revenu sain et sauf. Et on n'a pas réussi à capturer. Mais ça, c'est pas grave, c'est comme dans la série, hein, ils arrivent jamais à choper le méchant, quoi. J'imagine. Comme Captain Gadget, quoi.
Mad a jamais été capturé, quoi. Enfin, arrêté plutôt. Bref. Non, non, c'est bon, c'est bien la fin. C'est bizarre que j'ai un bonus stage juste après le boss final. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. C'est rigolo. Ben voilà, on a réussi donc à terminer ce Shippendel 2. Bien sympathique, bon j'ai pas eu trop de galères finalement. Mais bon, j'étais un peu plus prêt psychologiquement à le faire par rapport au premier. Et bah ouais, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé, les boss étaient quand même assez intéressants, hein. C'était pas non plus hyper facile. Fallait quand même faire gaffe. Mais après, voilà. Les stages ont été sympas, le chariot a failli me faire peur. C'est qui la femelle au fait? Celle en haut à droite, c'est Gadget. Après, sa fonction, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est mécanicienne, quelque chose comme ça. Mais je connais pas bien la série, hein, je peux pas te dire. Mais voilà. C'est quoi dans Cool Spot, le coup de bonus stage après le dernier niveau? Ah ouais, là aussi, dans Cool Spot, il y avait ça. Putain, c'est curieux. Bon là, il se passe rien là. Non bah c'est fini là. Bon bah très bien. Alors je vais arrêter la capture locale.